Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tête parce que je vais vous faire une vidéo tutoriel sur les rangs raccourcis à l'allemande. C'est une vidéo qui m'a déjà été demandée plus d'une fois, donc c'est l'occasion, j'ai quelques minutes pour vous la présenter. Ce sera une vidéo courte. Donc ce sera sur les rangs raccourcis à l'allemande. Pourquoi à l'allemande? Parce que c'est la méthode que je préfère par rapport aux autres. Après avoir expérimenté plusieurs méthodes de rangs raccourcis, c'est vraiment la méthode que je trouve la plus polyvalente sur du point mousse, sur du jersey, sur de la dentelle ou sur des torsades. Il existe d'autres méthodes, la wrap and turn, la méthode avec des jetés, la méthode twin stitched, donc quand on double les mailles, en fait on fait deux mailles, et la méthode à la japonaise. Alors, à part la méthode à la japonaise que je trouve un peu plus compliquée parce qu'il faut s'équiper soit d'un fil, soit d'un marqueur amovible, les autres, ma foi, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. La méthode à la japonaise a l'avantage d'être très discrète. La méthode, la twin stitch, c'est quand vous êtes un tricoteur serré, elle est franchement pas mal du tout. La méthode avec les jetés, moi je l'utilise sur les talons, alors que, bon, parce que ça ne fonctionne pas avec les rangs raccourcis à l'allemande. Et la méthode wrap and turn, je vous avoue que je ne l'utilise plus depuis très longtemps, parce que je trouve que le résultat n'est pas aussi beau que les méthodes à l'allemande, sauf sur le point mousse. Donc je ne vois pas trop l'intérêt d'encore l'utiliser. Donc voilà pour les rangs raccourcis. Alors, les rangs raccourcis vous permettent d'obtenir différentes formes, mais par exemple ceci, donc une forme en 3D, ça c'est un talon de chaussette. Ça vous permet de travailler une forme en 3D. Ça vous permet de faire des pentes et des courbes, comme ceci. Donc on a une courbe un peu plus aiguë et un peu moins aiguë ici, en fonction du nombre de rangs raccourcis qu'on utilise. Et ça vous permet de pouvoir travailler en profondeur. Par exemple, je vous montre un exemple. Je fais le patron Mirala pour le moment, qui est de Worley Warm Head. C'est un bonnet qui se travaille d'un côté à l'autre. Et vous voyez ici qu'il y a forcément moins de profondeur qu'ici, comme il se travaille de ce côté-là à ce côté-là. Et vous allez avoir des rangs raccourcis pour donner de la profondeur au bonnet. Voilà. Alors, c'est très court. Normalement, je fais des ateliers sur les rangs raccourcis. J'explique un peu plus ce qu'il en est. Mais ici, je vais vous montrer essentiellement comment on les fait. Donc, ça se note à l'endroit, c'est mieux. Ça se note sur les diagrammes de cette manière. Vous voyez ici, il y a deux petits ronds. Ces deux petits ronds montrent que vous devez tourner. Alors, c'est soit deux petits ronds, soit une courbe comme ceci dans un sens, ou une courbe comme ça dans l'autre sens. Ici, on est à la fin du rang. Vous voyez, la fin du rang est ici. Vous ne prenez pas en compte ceci. Hein. C'est le diagramme du patron Mirala. Et vous allez ici, pas jusqu'à la fin du rang. Vous vous arrêtez 3-6 mailles avant la fin du rang et vous allez tourner. Et quand on regarde, c'est la même chose de l'autre côté. Quand vous arrivez à la fin du rang, ici, vous avez deux petits ronds et vous tournez. Vous n'allez jamais jusqu'à la fin du rang. Alors, comment est-ce que ça s'explique dans les explications écrites? On vous dit, allez jusqu'à X mailles avant la fin du rang pour le premier rang, ou allez à X mailles avant la double maille, parce que vous allez voir que dans les rangs raccourcis à l'allemande, on fait une sorte de double maille. X mailles avant, et vous tournez à ce moment-là. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc ici, sur mon aiguille, j'ai monté 25 mailles, et ces 25 mailles sont en point mousse. Donc je vais les tricoter. Je vais tricoter jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang. À l'endroit. Alors, j'ai dû défaire mon rang parce que c'est la deuxième fois que je filme. Parce que je me suis rendu compte que j'étais pas dans le champ. Donc mes mailles sont torses, mais normalement vous les tricotez pas torses. Hein. Donc. Est-ce que je vais y arriver? J'essaie d'aller lentement, ce qui n'est pas évident pour moi. Je suis moins précise quand je suis lente. Donc, jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang.
Donc on en est 1, 2, 3, 4, j'en ai encore une à tricoter. Donc vous arrivez à 4 mailles avant la fin du rang. Vous n'allez à rien faire là, juste tourner votre travail et alors vous vous retrouvez sur l'envers, dans ce cas-ci, et vous allez introduire votre aiguille de la droite vers la gauche, donc comme si vous alliez la tricoter à l'envers, la maille suivante. Ça s'appelle une double maille. En anglais, je mets JSR pour German Short Rows pour désigner cette maille. En français, je mets RROND pour mettre rang raccourci en droit ou rang raccourci en vert. Donc, comme ça peut se faire sur du jersey ou sur du point mousse ou sur d'autres motifs, la maille qui suit dépendra de la façon dont vous allez travailler cette maille, la maille qui suit. Donc, si c'est une maille en droit, par exemple, celle-ci sera une maille en droit, vous tricotez, donc vous insérez votre aiguille dans la maille, vous tirez votre fil de manière à remonter la maille du rang en dessous et vous faites attention à avoir une certaine tension, vous tricotez la suivante, comme classiquement à l'endroit. Donc la suivante, ça va donner simplement vous tricotez classiquement. Vous veillez à avoir une tension suffisante dans votre fil, de manière à ce que ça ne fasse pas de trou par la suite. Il ne faut pas non plus tirer très fort, mais il faut tirer, avoir une maille bien tendue. Il faut veiller à bien remonter la maille du rang précédent. Donc on va aller ici, pour faire quelque chose de symétrique, jusqu'au rang, jusqu'aux 4 mailles avant le dernier, avant la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4. On arrive ici. Donc on tourne. La maille suivante, je vais la faire à l'envers. J'insère mon aiguille dans ma maille, vous tirez votre fil, vous passez le fil entre les deux et puis vous tricotez à l'envers. Alors on va aller jusqu'à 3 mailles avant la double maille. Donc ça veut dire quoi 3 mailles avant la double maille? Donc j'ai monté 25 mailles, je vous l'ai dit. Les rangs ne sont pas trop longs. Donc la double maille est ici, regardez, c'est sorte de maille qui fait un U. Je dis double maille parce que quand vous êtes sur le rang, vous ne savez pas la rater. Ça fait vraiment une maille doublée, mais c'est une sorte de U puisque vous allez remonter la maille du dessous. Donc on va jusqu'à 3 mailles, 1, 2, 3, la double maille est là, 1, 2, 3, donc j'ai encore une maille à tricoter. Je tourne mon travail, j'insère mon fil, mon aiguille dans la maille comme si je tricotais à l'envers. Je tire sur mon fil. Alors ici, j'ai torsé ma maille. Donc ça ne va pas, il faut faire attention. Voilà. Vous veillez à ce que la maille ne soit pas torse, ça ne va pas. Voilà. Voilà. Il faut que la maille remonte. Et puis, non, la maille qui suit, c'est une maille en droit. Ici, je suis sur du jersey, je suis sur la face en droit. Donc, vous allez jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang. 1, 2, j'ai été trop loin. Cette maille-ci, donc on a 3 mailles. Hein. Ici, je vous répète, la double maille est là. Alors, on a la maille que vous avez tricotée qui est là, une sorte de jetée qui est en fait la maille que vous avez remontée derrière, qui se trouve derrière le... cette maille ici. La maille, réellement, elle est ici. Donc, on tourne. Et idem, je vais sur l'envers cette fois-ci. Donc, je tire mon fil. Donc, faites attention que la maille ne soit pas torse. Et alors, cette fois-ci, je vais fermer les rangs raccourcis. Donc, je mets en général tricoter jusqu'à la fin du rang en tricotant les doubles mailles, parce que j'appelle ça des doubles mailles. Comme des mailles simples, donc voici la double maille. Ici, dans ce cas-ci, le jeté est devant et la maille est derrière, mais vous allez les tricoter comme une maille simple. Donc faites bien attention à insérer la maille, l'aiguille dans la maille. Ici, on la voit clairement, ici, là, dans la maille, parce que sinon vous allez avoir un trou. Et comme je suis sur l'envers, je la tricote à l'envers. Idem,
la même chose. Donc on a une maille et le jeté, une sorte de jeté, parce que c'est pas vraiment un jeté. Vous insérez bien votre aiguille dans la maille, vous prenez le jeté avec et vous tricotez comme une maille classique. Et alors, on va finir de l'autre côté et fermer de l'autre côté. Donc on est sur l'endroit. Alors je vais accélérer un peu l'allure parce que pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc on arrive ici au niveau de la double maille. Elle paraît un peu plus bizarre dans l'autre sens, mais c'est la même chose. Vous insérez, vous faites bien attention après dans la maille. Donc ici, vous voyez, il y a une barre ici. Vous mettez votre aiguille ici. Et comme on est sur l'endroit, je la tricote à l'endroit. Idem ici, vous passez votre fil et votre aiguille dans la maille et vous fermez. Et voilà, ça donne ceci. Donc on a, ça se voit relativement peu. Ça dépendra évidemment du fil. Quand vous avez un fil qui est un fil single, qui est un peu plus irrégulier, vous allez le voir beaucoup plus fort. Mais on le voit relativement peu sur un fil retordu, vous voyez. Il faut les chercher, les rangs raccourcis, il est ici. Et le deuxième est, je ne sais même pas, en fait. Un, et il doit être ici quelque part. Voilà, on le voit vraiment, on voit ça vraiment très peu, surtout sur du jersey. Donc c'est pour ça que c'est ma méthode préférée. Et évidemment, le blocage récupère tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ceci en dessous de la barre. En dessous de cette vidéo sur YouTube ou sur Instagram, si j'arrive à la poster sur Instagram. Alors, je vous rappelle que je fais des vidéos de podcast et des vidéos tutoriels régulièrement, que j'ai un compte Instagram. Vous pouvez trouver toutes les infos ici en dessous dans la barre d'infos. Voilà, bonne journée à tous !